Du 16 mars au 10 mai 2020, la France a vécu 56 jours de confinement. Nous avons décidé de produire des archives textuelles et audiovisuelles pour le futur. Nous sommes une famille parisienne avec un enfant. Maman Z est chinoise et travaille dans l'art. Papa F est un photographe français reconnu. Et Ambre, une petite fille de 3 ans et demi, amatrice de la couleur rose et fan d'Elsa, la fameuse Reine des Neiges. Pendant le confinement, nous avons créé 59 journaux écrits et 43 journaux vidéographiques diffusés sur les réseaux sociaux. Une performance artistique réelle dans un monde purement virtuel. Le 11 mai, la France est sortie du confinement. Ce feuilleton de presque 60 jours méritait bien un dernier épisode. Vous êtes-vous comme moi, 在日期来临的过程中，最初的状态是越来越不能忍受当下的现状。一阵子后，还是按现状的节奏继续下去，并习惯它，甚至找到点乐子去享受它。偶尔被憋得透不过气来时，就拿机票上的时间给自己打气。最后，出发的日子近了，却开始毛躁。 想着现在的节奏要被打破了，有些坐立不安。直到拿上行李，坐进驶向机场的车，又瞬间充满能量以及美好的愿景。这段时间，我们整天在这两室一厅里，我们在巴黎，我们却被迫和巴黎说了再见。我记得有次F爸爸出差一个月回来。 我们俩走在夕阳下的马黑区，要去参加一个展览开幕酒会。 F爸爸告诉我， 我热爱我的工作，也享受出差做报道，但每次一回到巴黎，就俯首于它不可思议的美，同时也让我知道我有多爱你。 Je sors plus que vous, puisque je dois faire les courses régulièrement. Mais honnêtement, je ne vois pas beaucoup plus de monde. Paris me manque aussi. Le confinement est très dur. Ce n'est pas tout le temps facile. Nous avons eu des moments de crise. Mais après tout, je trouve que ce confinement a renforcé nos liens. C'est comme une psychothérapie à huis clos qui a duré 2 mois. Le 14 mai, à 8h15, Papa F et Maman Z ont accompagné Ambre pour sa rentrée d'école. Ils pensaient qu'elle allait pleurer, mais tout s'est bien passé. Elle était tellement calme, la transition était tellement fluide, comme si ces 9 semaines et demie s'étaient écoulées dans un monde parallèle. Dans l'ascenseur, pour retourner chez eux, Papa F a avoué à Maman Z qu'il était stressé. Il dit que sa tête tourne, qu'il a beaucoup de frissons. « J'étais comme toi il y a 2 jours. » répond-elle. Nous savons que le changement est juste devant nous. Nous savons que la routine de confinement est provisoire. Nous savons que cette routine sera remplacée par l'ancienne routine. Mais l'expérience exceptionnelle de ce confinement nous remet en question sur notre mode de vie d'avant et nous fait douter sur nos capacités à mener une vie quotidienne. Quelques heures plus tard, Papa F et Maman Z semblent retrouver leur ancien rythme. Ils sont particulièrement calmes, ils sont légèrement ailleurs. Une sensation de vivre dans une fausse réalité. Le père de Maman Z leur a dit « Le confinement peut être interprété comme une pause dans la vie, mais le paysage ne sera plus jamais le même après le redémarrage. Le confinement est un réel retrait du monde, tout est à rebâtir dans l'ère post-confinement. »
Un article paru dans Le Monde explique que les consultations psychologiques ont explosé en France. Une partie des patients a du mal à gérer le manque de contact physique et de relations sociales à cause du confinement. L'autre partie a peur de les affronter lors du déconfinement. Le lendemain, Papa F a dit à Maman Z qu'il était quelquefois désespéré pendant le confinement, qu'il le trouvait trop long. Maintenant que c'est terminé, il affirme que ce confinement est une véritable chance pour la famille. Papa F et Maman Z ont enfin réussi à collaborer ensemble. Leur amour pour Ambre a grandi. Maintenant, à chaque fois qu'ils pensent à elle, il ne reste que le côté mignon. Nous avons refoulé beaucoup de choses et avons fait des compromis à cause du confinement. Le déconfinement nous offre de nouveau un espace personnel et cette petite distance qui rend l'amour plus simple.